We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. Et bonjour tout le monde, c'est Revanche et bienvenue sur The Division 2. Quitte à être un sac, autant l'être jusqu'au bout. Donc c'est la vidéo où on va partir. Je vais tester pour la première fois de mon côté le raid. Mais pour ça, il va falloir que je passe avec mon FAL parce que le MK16 est bien, mais il est un peu juste. Donc mon but, si je peux descendre, merci, voilà. Ça va être d'améliorer mon FAL. Donc on va faire ça. Oui, je sais, je commence par ça exprès, bien sûr, hein, c'est pas drôle. Il me manque un poil d'acier, un poilouné d'acier. Grenade, d'accord, ok. Dès que j'ai mon poilouné d'acier, en espérant que ça arrive vite, on pourra aller direct en raid. Une fois, bien sûr, les merdiers modifiés. Voilà, la meilleure méthode pour obtenir rapidement du merdier, c'est les souterrains. Vous faites exactement ce que j'ai fait, vous passez avant, en fait, un avant-poste, vous récupérez, vous leur donnez, en fait, tout le merdier qui demande. Une fois qu'ils ont récupéré tout le merdier, vous avez votre X-ray qui est activé. Et donc là, vous pouvez commencer à aller chercher du bordel. Et là, il y en a beaucoup. Un nécessaire de couture, c'est parfait. C'est parfait, je vais pouvoir le faire le raid avec le nécessaire de couture. Ah tiens. Seul truc, c'est que là, je sais jamais où est-ce qu'on peut récupérer de pas d'acier. Qu'est-ce que protection, hein? Ah d'accord. J'ai mon antivirus qui vient de se désactiver. Qu'est-ce que c'est ce merdier? McAfee. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Quoi, y a une chaudière? Qu'est-ce que c'est cette merde? Windows. Windows 10 qui est fucké. Mon antivirus est bien activé, mais Windows me dit ah ben non, ton antivirus n'est pas activé. Si tu veux, Maurice. À proximité. Ah, c'est du titane, je crois que je vais récupérer ou je sais pas quoi. Voilà, du titane. Il m'en manque une petite dizaine en tout, donc ça devrait aller assez vite, hein, comme vous le voyez. J'ai déjà récupéré beaucoup de merdier. Putain, il y a des bruits bizarres dans le jeu. Donc ouais, sincèrement, n'allez pas vous faire chier dans la DZ pour obtenir ces items-là, sachant que ça vous prend 5 minutes pour obtenir, on va dire, 15 ou 17 du même. Ressources à proximité. Là, vous faites le tour complet. Je suis rentré par ici. Là, vous faites un tour d'un souterrain, vous récupérez une trentaine de fibres de carbone, une trentaine d'électronique. Là, j'ai pour l'instant 4 titanes, malheureusement, mais ça va peut-être changer. Sans compter la céramique, l'acier, que vous obtenez aussi dans la DZ, mais en quantité très limitée. Non, mais... J'entends un truc sur la gauche, là. Ah, ok. Il doit y avoir une voiture qui me suit depuis l'étage. Je vois que ça, en fait. Je crois qu'il y a une bagnole qui essaye de me suivre depuis l'étage, mais qui arrive pas. Ou en tout cas, qui a du mal. Quand je vais remonter, ça va me péter à la gueule. Vivre détecté. Mais comme je suis un sac, je vais pas remonter. On va de suite se téléporter auprès d'un autre souterrain. Le point le plus proche, c'est lui. Donc il faudrait que j'aille. Pardon. Ouais, c'est ça le plus simple.
Et comme ça, eh ben nique la bagnole qui me suivait depuis tout à l'heure. Ouais, on va faire 5 maxi 10 minutes de récupération de merdier. Après, je crafte mon fal avec contrainte parce qu'il a réformation dessus et là, dans la config actuelle, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc il faut que je passe en contrainte. Et il me faut 61 de titane pour le passer, si je me trompe pas, 61 ou 65. Et là j'en suis à 51, pardon, c'est, ou 60, ouais, c'est 61, c'est ça. Donc voilà, là, je suis mal barré, mais ça peut se faire encore. Et le GPS qui me dit, bah tu vas tout droit. En fait, tu contournes la flotte. C'est le GPS qui est un peu con. Putain, je sais toujours pas l'utiliser ce truc. Rapidement celui-là et on se casse tout de suite. Il se démerde. Voilà, un mode assistance, c'est parfait. Démerdez-vous. Démerdez-vous, j'ai trouvé des antalgiques. Moi je me casse. Bon, ça explose, tout va bien. C'est une situation tout à fait normale dans cette ville. Les gens s'entretuent à coups de lance-grenades. On est aux États-Unis après tout. Quand est-ce qu'aux États-Unis il n'y a pas eu de meurtre dans une journée? Non, c'est pas possible. Avec des ventes d'armes en libre-service, n'importe qui peut aller au supermarché, s'acheter un 9 mm et rentrer à la maison le soir. Sans compter les antécédents possibles, psychiatriques possibles que peuvent avoir certaines personnes, je me poserai des questions quand même sur la fiabilité de la loi des ventes d'armes. Dans l'idée, vous vendez une arme à quelqu'un qui a un problème avec la colère. Là, ça peut que mal finir. Je crois que j'ai plus de chances de drop, en fait. Je crois qu'il y a une carte que j'aurais peut-être dû vérifier avant. Je vous montre un peu au nord. Ah, 6 de titane. Voilà. De toute façon, il faudra que je revienne un peu. Nos amis les mineurs. Voilà, donc là on a fait la première partie du truc. Il nous reste plus qu'à aller, donc c'était ici. Là, par contre, la fibre de carbone, là j'en ai beaucoup trop. Vu qu'il n'y a pas encore masse de craft pour ce truc là, on en a un peu une chier plus 15. Enfin une chier plus 400 en l'occurrence. Dans ces conditions là. Par contre c'est vraiment intéressant les souterrains pour le farm parce qu'on récupère beaucoup de choses. Non, c'est de la fibre de carbone, j'aurais dû m'en douter. Je crois en fait que je vais devoir faire une pause. Ouais, je vais devoir faire une pause. Parce que là, ça va être long sinon. A tout de suite. A few moments later. Ok, on est bon. Donc, je coupe Netflix. Utilisé pendant le farm. On va y mettre contrainte du G36C. L'objet sélectionné est un préféré. Je m'en contrefou. Et donc, on a notre fal. Le fal qui est légèrement meilleur que le MK16. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bah, il est là, donc ça, c'est bon. On va aller voir ça, je vais vous montrer ça et on verra bien ce que ça donne. Et après, on pourra partir officiellement en raid. J'espère juste que ma connexion va tenir, elle aime pas les nouveaux jeux. J'ai eu pas mal de soucis comme ça. Sans faire trop chier à viser, je fais 555 000 dégâts avec le MK16. Ouais, c'est ça. À distance, c'est 550 000 dégâts, 600 000 proches.
avec le pal. Ah oui, non, mais j'ai pas actualisé. C'est tout ? Ah bah voilà. Merde, mais qu'est-ce que j'ai branlé encore ? Je faisais 600 000 de dégâts tout à l'heure, qu'est-ce que c'est cette merde ? Ah voilà. Voilà, 620 000 de dégâts, voilà. Voilà. À court distance, je fais 620 000 dégâts, à distance, je fais 500 et quelques mille. Ça ira très bien, on va aller voir ce que donne le raid maintenant. Je vais même faire un truc, je vais me couper Netflix, le wifi sur le téléphone pour être sûr d'être tranquille et je vais me mettre en mode avion pour pas que ça sonne. Voilà. Ah oui, si. Très important. Non, ça je m'en fous, c'est ouvrir. Ah, légendaire. Légendaire, légendaire. Ah, mais il est dégueulasse. Chapeau. D'accord. Non, c'était cache. Chemise JTF, cool. Ouais, on va s'habiller là. Donc, non, troussons, je m'étais mis en troussons pour le farm, mais... C'est pas plus intéressant que ça. Non, c'est vraiment pas extraordinaire. Ah, j'ai du mal à trouver un style vestimentaire qui me plaise. Ah ben, on va pas se faire chier. Agent Johnson. Sauveteur Johnson. SWAT, Yen. Johnson, c'est quoi? C'était bot dégueulasse. Technicien de terrain. Non, non. L'agent Ward est pas mal. L'agent Ward est pas dégueulasse. Les lunettes de la JTF. Secret service, chasseur. Et c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-ci. Il se met légèrement sous les vêtements. Ensuite, en couleur. Ah oui, oui, non, fait. Faut que ça présente bien. Je suis dans les couleurs un peu vert. Je peux mettre en Hornet, c'est pas dégueulasse. En plus, ça irait avec le Nemesis. Eh ben, ça y est. J'ai entendu dire qu'on allait déloger les Black Tusk de l'aéroport de Washington. Hein? C'est pas trop tôt. Quoi? Pourquoi ça a parlé en deux fois? Donc, quand la grippe du dollar a frappé Washington, des milliers de civils désespérés ont afflué vers l'aéroport pour fuir la ville. Ils ne savaient pas encore qu'ils fonçaient droit dans un piège mortel. Malgré tous ces efforts, le CRN n'avait pu empêcher la terrible tragédie. L'aéroport a été traité au DC-62, puis abandonné pendant des mois, jusqu'à l'arrivée des Tusk. Info sur le raid. Voyons voir. Ouais. Oui, d'accord. Ouais, bah sélectionner. Les Black Tusk ont pris l'aéroport de Washington. Ils s'en servent pour faire venir des troupes, de l'équipement, des vivres et tout un tas de trucs. Nous n'avons pas d'autre choix que de reprendre le site si on veut avoir une chance de contrer ces enfoirés. Allez. Bon. Non, mais c'est fait exprès. Hein. C'est où? En fait, c'est où pour inviter des gens au pif?
Parce que là, je vais peut-être demander à ceux qui sont intéressés. J'ai peut-être proposé même de rejoindre le clan. Vous m'envoyez votre pseudo dans les commentaires. Je vous lance l'invitation directement par le truc. Et voilà. Si ça vous intéresse, on monte un clan. Dans le clan, je demande juste un truc, c'est juste de s'amuser. Donc là, on fera peut-être du raid, on fera peut-être des trucs comme ça. Parce que là, je sens mal. Ah non, mais je suis tout seul en fait, c'est pas RP cette vidéo. Non, mais je suis vraiment tout seul en fait. À moins qu'ils mettent 7 pièges avec moi. Ah, la cinématique est belle. Je vais me faire poutrer. Mais d'une violence. Si j'arrive à récupérer un stuff. Kit de réanimation sont une option spéciale qui n'existe que dans les raids. Vous pouvez toujours réanimer un allié à terre comme d'habitude, mais s'il est inconscient, vous aurez besoin d'un kit de réanimation. Vous recevrez un kit de réanimation au début de chaque combat. Vous pouvez en transporter qu'un seul à la fois. Ces règles sont prioritaires sur les compétences. Même si en temps normal, vous pourriez réanimer un allié avec une compétence dans un raid ou un kit de réanimation. Non, non, ben, on est bien. Hein. Oula! D'accord. Ah mais... D'accord. Relais de communication désactivé. Quand pour le premier tir de barrage? On va... D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais en profiter pour faire une miniature, parce que la zone est jolie. J'aime bien la zone. Oui, je retarde, je sais. De toute façon, j'ai pas de timing. Pas sûr d'arriver jusqu'à l'aéroport. Voilà, hop, ma miniature de début d'épisode. On va voir combien de temps je résiste en solo. Allez, on va dire top 8 minutes 4 dans ce depuis. Aïe, c'est quoi ce merdier? Ça m'a fait sursauter. 8 minutes 4, oh, bon, on va voir. Aïe, non mais. Ils ont presque tout contré. Merde. Vous devez y aller quand même, agent. C'est notre seule et unique chance de reprendre le site. Pourquoi j'y vais? Ouais, je sais, c'est fait pour 8. C'est plus rigolo en solo. Bon, allez, on y va. Et donc là, j'en suis sur cet extrait à 8 minutes 40. Merde, j'ai voulu. Bon. D'accord. Bon, bah, on y retourne. Non, mais je voulais faire une photo, c'est pas juste. Non, je voulais vraiment faire une photo en fait avec juste l'avion qui arrive au-dessus. Alors, malheureusement, j'avais pas vu qu'il y avait des mecs derrière. Ok. Ok, c'était pas une bonne idée. Mon MK16, il est où? Putain, il est où le... Non, mais... Oh, putain. Non, mais... Au secours. Ah, drone suicide. D'accord. D'accord. Non, je veux changer d'arme. Le Fall, c'est de la merde. Non, quoi? Ne présente plus de signes. Ah, merci. Je veux juste changer d'arme. Je sais que je vais mourir en boucle. Mais il est où mon MK16? En fait, faut juste tirer. Et il est. Voilà, c'est lui que je veux. Fall, pas bonne idée. On retient. Donc faut que je fasse gaffe au drone suicide. Oh putain, ouais, mais c'est dégâts les mecs. D'accord, effectivement, c'est pas fait pour y aller en solo. Ah, mais je fais pas de dégâts.
Attendez, il y a un truc là. Les stats, c'est quoi? Je suis pas normalisé pourtant, si. C'est étrange que je fasse pas de dégâts à ce point là en fait. Alors c'est vraiment fait pour être en multi en fait, c'est juste ça le merdier, c'est qu'en solo c'est pas possible. Ouais non mais je m'en doute, hein, je le sais très bien. On réessaye une fois. J'arrive à toucher un gros. Ok, on va quitter. C'est un peu violent. C'est un peu trop violent pour moi, donc au revoir monsieur. Comment on quitte? Oh la map, elle est jolie en plus. Ah, par contre, je peux pas voir où je suis en fait. Hein, c'est cool. Rejoindre la DBO, c'est quoi ça? D'accord, ouais non, j'ai quitté, hein, j'ai fait exprès. Est-ce que je peux faire un matchmaking aléatoire ou alors est-ce qu'il faut vraiment être en groupe? Ça c'est un truc qui m'intrigue. Parce que moi j'étais parti à l'origine pour faire un matchmaking, c'est pour ça que je suis parti en solo comme un débile. Et que je me suis aperçu que je faisais pas un broc de dégâts. Bon en fait c'est vraiment dur. Encore en PvE, un peu, on va dire hardcore, j'arrive à faire du dégât. Entrée de la zone de sécurité. Putain, j'ai mon jeu qui part en couille de temps en temps. Toi là. Hey, l'hélico est prêt à décoller quand vous voulez. À plus tard. Comment je fais pour quitter ça? Quitter Red, ok, c'est là que je veux. Vous avez quitté le groupe. Les Black Tusk ont pris l'aéroport de Washington. Ils s'en servent pour faire venir des troupes, de l'équipement, non, des vivres sérieux, et tout un tas de trucs. Nous n'avons pas d'autre choix que de reprendre le site si on veut avoir une chance de contrer faire autrement, ces enfoirés. En fait. On peut pas en créer un raid en public? C'est complètement con, ça. Ça, sérieusement, c'est débile. Par contre, ça, c'est vraiment un truc... Salut. Ok, on va laisser ça, on va juste... je pense que... Non mais je peux pas en fait, il faut vraiment... Ah ça c'est chiant, ça c'est vraiment chiant. J'espérais réellement pouvoir le faire en public mais là je peux pas. Il faut avoir déjà un groupe, on peut pas juste inviter comme ça comme on le fait pour le reste. Ça c'est con, ça c'est un défaut. Vous avez quitté le groupe. Moi l'intérêt, clairement l'intérêt pour moi, c'est comme le conflit, c'est qu'on lance la partie. Voilà, stade de conflit, prochain jalon de combat, ok, ouais si tu veux. On va voir. C'est comme là, là j'ai lancé le matchmaking, ça marche. Pour moi le raid, l'intérêt ça aurait été ça aussi. C'était de pouvoir faire ça. Regardez qui est là. Ah je suis déçu. Ouais bon on a fait un peu de raid mais bon. On va dire que je suis un peu déçu. Ou alors. Règle miséricorde activée, boost activé, ravitaillement spécialisé, port machin, ok. Passons avec le Fal au lieu du Famas.
Non, là, je... Ouais, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage, ça, qu'ils aient pas permis de faire... de lancer le matchmaking sur le raid. Bon, arrêtez, voilà. Ah, je vais voir, à moins que je l'ai loupé quelque part. Toi, Morissette. Hey, l'hélico est prêt à décoller. Les Raiders ont pris l'aéroport de Washington. Ils s'en servent pour faire venir des troupes, de l'équipement, des vivres et tout un tas de choses. Non, mais je le sais, Maurice. Non, ta gueule, Maurice. Prendre le site si on veut avoir une chance de contrer ces enfoirés. Ah, raid. Ah, non, je suis pas le choix. J'ai. Ah, ouais, non. Donc là, je peux rien faire du tout. Ah mais c'est complètement con ça. J'ai vraiment aucun moyen d'inviter juste des lambdas en fait. Enfin des lambdas, comprenez-moi. Enfin ce que je veux dire c'est que ouais, moi je voudrais juste inviter des gens au pif, que, même si je les connais pas, je m'en fous. Moi je veux juste profiter du mode de jeu. Vous avez quitté le groupe. Ah je suis... Ouais bah oui, mais je suis tout seul. Donc bah l'intérêt ça va être de partir en DZ, on va essayer de se faire un groupe. Après je me téléporte rapide au raid et on verra bien. Ah bah y'a du monde, on va voir. Je vais essayer de voir si je peux récupérer du monde. Ah mais non mais merde, non mais même je l'aurais pas. Non je l'aurais pas, hein. C'est même pas la peine. Hein. 8 personnes je les aurais pas. En fait faut vraiment partir sur le... avec le clan. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi vos pseudos. Si vous cherchez un clan The Division 2, y a mon clan qui est ouvert. Envoyez-moi juste les pseudos et je vous invite. Faites juste attention à l'orthographe. Vérifiez bien les majuscules, tirez du 6, du 8, etc. etc. et c'est le pseudo agent. Et donc là je perds un niveau de DZ. Voilà. Ah mais merde, mais c'est vraiment de la merde en fait le Fall. Ok, le Fall c'est vraiment de la merde, 20 balles, c'est rien. J'y vois. Au secours. Bon, on va faire autre chose. Alors c'est juste moi qui fais pas de dégâts en fait. Putain mais je fais pas de dégâts. Il se passe quoi là avec mon stuff? Non attends, il y a une couille. Je fais plus de dégâts. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Je reviens de l'autre. Ok, pourquoi je fais plus de dégâts? Ah je m'en fous là. Zone de sécurité détectée. Ouais. Attendez, il y a un problème, je fais plus de dégâts. C'est quoi le merdier? Je suis avec mon MK16 qui faisait pas mal de dégâts, je faisais 500k dégâts. Avec le Fall, je fais 600k, même s'il y a que 20 balles. Ce qui fait que c'est un peu de la merde en fait. Un peu de la merde parce que 20 balles, c'est rien. Et j'ai pas moyen d'augmenter les munitions, donc c'est, en fait, c'est de la merde le Fall. Qu'est-ce qui se passe? Henri a signalé des cas actifs. Ouais, on y va, je rentre là-dedans, je vois, je regarde bien. Je sais pas ce qui se trame là-bas, mais il faut absolument le fermer. Je viens ici parce que c'est la mission la plus rapide du truc. J'ai l'impression que j'ai 3 fois moins de dégâts qu'avant, qu'est-ce que c'est ce merdier? Avant, 3 balles, je les éliminais les mecs. Je veux bien que je sois en défi, mais là quand même. Et là, il y a un truc qui me va pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que je ne fasse plus du tout de dégâts. 1700. J'ai perdu
Ok, j'ai perdu minimum 10 000 dégâts. 22 000. Éloigne-toi de ce truc avant que ça te pète à la gueule. Ah non, mais je suis là, j'ai... Il y a un problème. J'ai foiré un truc parce que j'ai perdu entre 20 000 et 40 000 dégâts. Je faisais du 48 000 par tick. Qu'est-ce qui a pu se passer? Surtout que c'est avec le MK16, donc je suis pas dingue. MK16 Socom. Ah, il a tueur. Tueur à les gros retranchés. Pourquoi il n'a pas. Ah, mais il a pas contrainte. Non, il pouvait pas avoir contrainte. Qu'est-ce que c'est encore que ce merdier? Pourquoi je fais plus de dégâts? Ah, là, je suis dans la perplexité absolue. Bah là pourtant je fais autant de dégâts. Enfin même si j'ai perdu 40 000 dégâts. Ah ouais j'ai perdu bien plus que ça. Oula je perds, là je viens de perdre 100 000 dégâts, ça y est. Donc repassons sur le Wyvern. Repassons sur le Wyvern, on a dit. Et donc ici aussi, il me faut le Wyvern. Voilà. Qu'est-ce que... De quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe là? mille de dégâts par tir. Parce que j'en ai nommé peut-être. C'est bizarre que je fasse plus de dégâts à ce point-là en fait, c'est ça qui me perturbe. Je comprends vraiment pas comment mes dégâts sont descendus aussi vite et aussi bas. Non mais j'avais autre chose, j'avais un MK16. J'avais un Ilou moins MK. Ok. Parce qu'après un arme, j'ai quoi? J'ai un ACR avec tueur. Optimisé, c'est de la merde. Mesure, non. Ranger, non. Mesure, déséquilibré, 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 mesure. Tir déstabilisant les gros, ranger, tir DCN, nudité, fusillé, tueur, corps à corps. Pourquoi pas, mais non, c'est de la merde. Ranger, corps à corps, optimiste. Ouais, j'ai rien du tout. Voilà, mais le MK16 était 700k dégâts. De près.
Voilà, de prix, il fait 800k dégâts. Ok, on garde le MK16. Là, c'est non négociable. MK16, c'est tout. On va réessayer en raid, hein, on va réessayer. 800k dégâts, 800k. Donc, je vais peut-être passer sur... non, je vais rester sur le Nemesis. C'est le plus simple. On va voir, on va réessayer. Parce que là, je peux inviter du monde. Je pourrais jamais inviter 8 personnes. C'est pas possible. Surtout, on est 2 sur la map. Les Black Tusk ont pris l'aéroport de Washington. Ils s'en servent pour faire venir des troupes, de l'équipement, des vivres et tout un tas de trucs. Nous n'avons pas d'autre choix que de reprendre le site si on veut avoir une chance de contrer ces enfoirés. Non, lui, il va pas vouloir. Bah, lançons, hein. On verra bien. Ouais, je sais. Héroa, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai joué avec lui tout à l'heure. C'est son pseudo et son alliance, là, son clan qui me disent quelque chose. Ou alors j'ai une solution, j'annule mon clan et j'en rejoins un autre. On verra bien. On réessaye. Voir si je fais un peu plus de dégâts. J'aimerais bien pouvoir faire une photo quand t'es sur la piste sans me faire buter en fait. Ou alors, ouais, je réessaye une fois, si ça marche pas, objectif photo. Objectif, je repars avec une photo, je m'en fous. Ouh, la tour de contrôle, elle a pris cher. Parce que ça sert à rien que j'ai avec mon stuff tank. Enfin, je ferai pas assez de dégâts. Ouais, j'ai un kit de réanimation, c'est... Ah, à moins que... changeons les items, passons sur... la réanimation et passons sur le drone de soins. Go pour le premier tir de barrage. Kaboum. Voilà. Go pour le deuxième tir de barrage. Oh, attendez, j'ai peut-être une idée. Par contre, si ça marche, j'ai tout gagné. C'est notre seule et unique chance de reprendre le site. Je vais essayer de bait le truc. Au revoir messieurs. Ça marche, j'ai tout gagné. Non, mais... Que le drone. Aïe. Je peux pas leur lancer un truc. Venez les mecs. Allez. Coucou. Aïe. Ouh, plus beaucoup de vie. J'aimerais bien qu'ils viennent en fait. J'essaye de voir si je peux pas bait le jeu et les faire venir de force. Ah ouais, mais on a pas de kit de soins en plus.
Ah mais là par contre c'est très chiant ça. La caméra qui se fixe quand j'essaie de balancer une grenade en haut. Ah ouais, c'est fait exprès, je le sais très bien. Et putain mais les Black Tusk c'est tellement des casse-couilles. Ils sont très chiants parce que vous pourrez jamais les approcher. Comment est-ce que je pourrais les approcher sans faire trop dézinguer? Oh, sous le feu, sous le feu. Ils m'ont pas vu, je suis caché derrière une grille. Ah, c'est pas mal là. Le coucou des Black Tusk en fond. Faudrait que je me décale un peu. Non, je vais pas me faire trop canarder. Attendez, c'est objectif photo. Bon, bah, pas mal là. Ouais. Oh, je fais mes miniatures. Ok. Ça va être compliqué parce que j'ai aucun moyen de me mettre couvert. Putain, 800 000 dégâts, il perd pas la moitié de sa vie, t'es sérieux? Je crois que j'ai un moyen de bait le jeu. Ah, vous ne mourrez pas, je suis derrière une grille. Assistance médicale immédiate nécessaire. Ouais, ils font mal quand même. Hein. Mais ils ne peuvent pas me voir. Ils ont une planque pour me toucher. On se les fait. Ah merde. Ah, allez, 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 allez. Agent tué. Non, sérieux? J'ai pas réussi à les refaire assez de dégâts rapidement. Et en plus, ah si, bah j'en ai enfin. J'ai ma technique. C'est de ce côté ou c'est de l'autre? Je redescends une ou deux fois ou pas? Il y a beaucoup là. Aïe. Aïe. Il est où? Il est où? Ouais, j'ai réussi. C'était chaud, mais j'ai réussi. C'est pas un moyen de... Parce que là, ouais, là. Nah. Quoi? Ouais, ça explose bien. Ils sont où? Repérant. La grille. T'inquiète, je
Oh les techniques. Ok, passons de l'autre côté. Ah je... Comment je... On peut pas les attirer dans le trou. Ah ah, lui. Lui, toi. Allez venez. Je suis là, je suis sous le réacteur. Allez. Ils font des dégâts les mecs. C'est chaud. J'essaye de trouver des techniques, j'essaye de gruger le jeu, mais ça va être compliqué. C'est faisable, mais ça va être compliqué. Oh, il y aura sûrement un timelapse. Hein. Ah, ça s'énerve là-haut. Oula, il y en a beaucoup là. Oui, il y en a beaucoup. Allez. Agent neutralisé. Je m'en vais. Je m'enfuis. Explorons la zone, hein, tant qu'on y est. Ouais, non, mais je suis mort. Hein. Non, mais. Ah, mais j'étais mort. Fait chier. Maintenant, objectif. Ah, attendez, si, je vais essayer un truc. Ouais, de toute façon, je peux le changer là. Ah, je peux le changer là. Allez, hop. Allez, prenons de la vie. Prenons de la vie et on court. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas mieux? Est-ce que j'ai pas mieux que le. Ouais, non, j'ai le Yal. Allez, hop. Allez, on passe en mode débile. Le but, c'est de courir. Donc, on va changer les capacités. On va se prendre pas le lanceur chimique. On va se prendre le drone de soin. Non, pas le drone explosif. Le drone de soin, on l'a dit. Et une capacité qui me suit. Et on va prendre la... Voilà. Objectif, rush. Pardon, excusez-moi, je fais passer. Rejoindre le terminal. Aïe. Aïe. J'ai de la vie, j'ai encore de la vie. Encore de la vie. Où est l'entrée? Aïe. Ah merde, c'est pas une entrée, au secours, c'est pas une entrée. Ça marche. Aïe. Ah mais, ça te chiant les drones. La mine reste par là, s'il te plaît. On va voir, c'est peut-être une technique, hein. Bon, n'empêche que je les vois pas. Mais c'est une technique. Pas bouger. Putain, mais ils sont même pas morts. Déconcentré. Rien. Chier. Touché. Touché. Aïe. Agent immobilisé. Eh, il y a de l'idée. On va prendre un autre sniper. Attendez, j'ai des idées. Je pense que je peux y arriver. Là, vu comme je suis parti, j'ai peut-être un truc. Le SR, un premier sens. Au moins la première munition tirée. Hors combat ou après. Non, ça, on s'en fout.
Tueur, non. Contrainte. Non, c'est MK17. Contrainte, précis, holster. Ok. Ok, j'ai ma petite idée. On essaye. Va falloir que j'aille au fond. On a réussi la première phase. En solo. Sachant que je joue comme un pied. Diversion, diversion, diversion. Pardon monsieur, excusez-moi. Je me fais passer. Hop là, pardon. Aïe. Non mais putain de drone à la con. Ah mais putain, mais ils ont un ultra instinct, c'est dingue. Lève la tête. Voilà. Ils sont toujours planqués les tusks, c'est horrible. Jouer sniper sans avoir de la hauteur pour buter un tusk, c'est compliqué. Non, ça touche pas. Non, mais ils veulent pas sortir, donc je sors pas non plus. Hein. Putain, mais c'est... La visée du Nemesis, c'est assez horrible. Il en reste? Oui, il en reste. Ils sont où? Voilà. Assistance médicale immédiate nécessaire. Voilà. Ah non, ça donne ça. Ça c'est pas bon ça. Ah non, la mine, non, la mine, non, la mine. Pas bon ça. Vous faites pas avoir comme pas d'un super grand. Faites pas d'angle de tir. Il est foutu.
Allez, cours. Aïe. C'est le premier Black Tusk, celui-ci, qui ne s'enfuit pas. Signe vitaux critique. Cours. Aïe. Ah merde, putain. C'est bizarre le comportement des Tusks sur la fin là. Normalement un Black Tusk, quand vous allez jouer en classique, il ne restera jamais à côté de vous, jamais. De temps en temps ils vont vous rusher, mais quand vous allez les rusher, ils vont se barrer de suite. Bah là ils l'ont pas fait, c'est un peu étrange, c'est un peu bizarre. J'avoue que j'ai été un peu perturbé par ça. Bon, on continue, on réessaye. C'est très difficile d'avancer, mais on va y arriver. Ah, je suis en solo, c'est fait pour 8, faut pas oublier. On va prendre l'autre côté peut-être pour changer. Bonjour monsieur, excusez-moi monsieur. Pardon monsieur. Bonjour monsieur. Aïe, on va se passer ça. Putain, mais drone à la con. Il y en a beaucoup en plus de ces saloperies. Ok, j'ai plus de heal, j'en ai qui arrivent en face, ça passera pas. Ah, j'ai pas de placement et j'ai... Faut que je vois si j'ai pas un autre placement. J'ai eu mes photos, ça c'est bon. Les placements, on en a expérimenté deux qui marchent pour le début. Est-ce que ça peut... Est-ce que je peux en avoir un autre? Est-ce que je peux en trouver un autre? On va essayer tout simplement celui qui nous est donné. Et après on arrête, on s'arrêtera. Non mais messieurs, vous êtes... Putain mais je les vois pas, je les vois pas. Ok, donc là c'est une très mauvaise idée.
se placer ici, c'est de la merde. Parce qu'il y a que les tous les drones suicides arrivent et vous pourrez pas les voir. Donc on a les placements derrière la grille, c'est fumé, parce qu'ils viennent pas. Et vous mettez à deux derrière la grille, ça passe nickel. En solo, c'est plus compliqué. Ensuite, là, on va tester. On va mettre une tourelle ici. Et on va mettre un aggro qui reste sur place. On va mettre une ruche. Une ruche d'attaque. Je prends pas de heal. Je fonce. Ma première... pas derrière la grille. Oh, quoique derrière la grille. Ça peut être fumé. Bonjour, messieurs. Je suis derrière la grille, vous ne pouvez rien faire. Ok, ouais, effectivement, en solo, c'est un peu compliqué. Vous l'avez compris, hein, mais en solo, c'est peut-être pas faisable. La fuite, c'est pas la peine. On arrête le massacre. Donc, dans ce que je peux conclure... C'est donc que le mode, oui c'est bien fait pour 8 joueurs, mais c'est de la merde parce qu'on peut pas faire du matchmaking classique. Parce qu'il n'y a pas besoin de gros niveaux, vous voyez au point où je suis arrivé, j'ai réussi à passer la première phase d'ennemi en solo. Alors que c'est un niveau 8 joueurs, donc bon, pour l'instant, sachant que je joue comme un pied, à moins que, non, ça me paraît que la difficulté s'adapte à moins. Ensuite, il n'y a pas moyen de faire de matchmaking, ça c'est un peu de la merde en fait. Votre groupe, non. J'aimerais savoir s'il y a moyen de faire du matchmaking. Moi, le plus gros reproche que j'ai à en faire sur ce truc, c'est qu'il n'y a pas de matchmaking à faire et ça, c'est de la merde. Clairement, hein, je vais pas vous mentir, ça, c'est de la merde. Non, en plus, là, je suis revenu en arrière, donc j'aurais pas lu. Attends. Il y a peut-être un truc à tenter. Non. Peut-être un truc à tenter. Je suis sûr, il y a un truc à tenter. Ça, j'ai déjà eu. Je teste des trucs, hein. Au point où on en est. Non, ça, c'était fait. Donc oui, après, ben là... Le mode de jeu est très bien, le mode de jeu est super intéressant, l'environnement est bien, mais qu'il n'y ait pas de matchmaking, c'est pour moi le défaut qui n'aurait pas dû exister. On devrait pouvoir lancer du matchmaking classique. Il n'y a pas à aller chercher du matchmaking par un groupe et après venir là, il faudrait qu'il y ait, comme sur le conflit, un mode de jeu qui dise bah, matchmaking là, tu cliques là, point. Là, pour moi, c'est pas bon, clairement. Et là, je parle de mes 200 et quelques heures de jeu, 250 heures, je crois, de jeu, de The Division. Bon, après, c'est stable. Je vais pas vous mentir, le jeu est stable. Puisque j'ai tenté de gruger le jeu, je me suis fait à chaque fois avoir, donc ouais, non, c'est... Non, il est bien. Le mode de jeu est vraiment intéressant. Mais le fait qu'il n'y ait pas de matchmaking, c'est vraiment le gros défaut. Là, après, il y a des plans, ça récompense, ça, c'est sûr. Non, mais je vais devoir dégager. Qu'il n'y ait pas de matchmaking, c'est le seul mauvais point qu'il n'aurait pas dû y avoir. Après, vous allez me dire, oui, tu peux le faire, tu peux faire le... tu peux pas faire le match... non, mon cœur, je n'arrive pas à faire cette voix. Non, tu peux faire le matchmaking à l'extérieur, oui, mais non. Non, c'est pas comme ça que ça devrait se faire.
On va faire pour terminer une partie de conflit. Vous allez voir ce que je veux vous dire, c'est que matchmaking dans le conflit il est déjà intégré et il y a 8 joueurs. Il y a 2 équipes de 4. Donc pourquoi c'est pas pareil là en fait? Pourquoi dans le raid c'est pas implémenté? Parce qu'il n'y a pas besoin de coordination maxi. On fait pareil que dans le conflit, c'est pareil. C'est un UHC Minecraft. C'est accès la même chose. À la zone de sécurité. Donc ouais, non, là je suis pas... Je suis un peu déçu là. Par cet aspect là du raid. Non mais je m'en fous. Le chef a lancé un raid, mais qu'est-ce que je m'en fous? Surtout que là, si je veux, admettons. Et là, je peux pas. Et donc là, je peux même pas lancer de matchmaking en étant en raid. Donc non, il y a un problème. Il y a un putain de problème avec le raid en fait. C'est le matchmaking. Sinon, le raid est bien. Pour l'instant, le raid est bien. La difficulté est, salut, la difficulté est bien. Clairement. Après, oui. Oui, oui. Vous allez me dire, ouais, tu peux inviter les gens à proximité. Non, ça m'intéresse pas. Tu peux inviter des gens. Oui, oui. Bah, si vous voulez qu'on fasse un raid à plusieurs, envoyez-moi les pseudos et on se démerde. On se trouve une date. On va un go Discord. Vous aurez le lien dans la description. Et puis voilà. Mais là, non. Là, clairement, le raid pour moi, qui est créé un clan il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pas intéressant. Donc non, mais non. Et quand vous voulez, agent. Je peux même pas quitter le raid en plus. Si, non, si, quitte raid. Voilà. Vous avez quitté le groupe. Ouais, mais bah, c'est de la merde. C'est au revoir madame, c'est de la merde votre truc. Parce que là, hein, me dites pas que le matchmaking à 8, c'est impossible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matchmaking à 8, ça existe. Donc ouais, non, il y a juste un truc. Donc, je vais pas le faire parce que la vidéo commence à être hyper longue. Et là, je suis réellement déçu. C'est la première fois que le jeu me déçoit. Parce qu'il n'y a pas moyen de lancer un matchmaking aléatoire sur un mode de jeu. C'est réellement, c'est... Je reste sur ma faim. J'espère qu'Ubi va résoudre ce truc-là, va mettre un matchmaking aléatoire, j'espère que ça va être demandé. Sur moi, en tout cas, je le demande. Pour moi, pour un joueur comme moi, je le demande. Parce que c'est plus simple pour moi. C'est-à-dire que... Il y a aussi un truc que je précise... C'est que le micro en jeu, je peux pas en avoir. Parce que j'ai un réglage pour parler en jeu, parce que la sensibilité en jeu est dégueulasse. Et un réglage pour le record. Pour le record, j'ai le gain qui est moyen sur le micro, sur le Blue Yeti. Et en jeu, je suis obligé de le monter au max. Si je le monte au max, le record est... C'est impossible, puisque on entend la souris comme c'est pas permis. On entend tout, c'est dégueulasse. Donc je peux pas avoir de micro en jeu, et c'est pour ça que l'aléatoire est très intéressant pour moi aussi. Bon, bah en attendant les gens, bah, des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de Division qui seront sur un thème plus intéressant que le raid à 8 joueurs. Et puis, bah, c'est tout. Bah, bye bye. C'était Revanche 1000. Bah, je referai des vidéos normales. Hein.